Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières créations. Et donc aujourd'hui, jour de Saint-Valentin, je vous présente donc le nouveau tableau que j'ai fait, que je vais offrir à mon homme. Voilà, donc c'est à la lumière artificielle, hein. Je vous aurais mis une photo à la lumière du jour avant. J'ai mis des micro-billes. Ça remonte à un paquet de temps, à 6 ans et demi. Voilà. Il y a des fleurs Prima, j'ai utilisé des Magic Paint en fond, des sprays. Ça, c'est un chipboard F déco. Ça, c'est Scrap New Age. Scrap New Age aussi. Scrap New Age aussi, ça. Ça, ce sont des fleurs Prima. De la pâte de structure pour faire un petit peu de relief. Ça sont des fleurs Prima essentiellement, sauf celle-ci qui est F déco et Florilège Design. J'ai utilisé aussi des patines, je pense qu'on voit bien, qui donnent un effet en fait pas tout à fait, un peu vieilli, vous voyez. J'ai rajouté des petites perles, des petites micro-billes, des sequins, petites clés. Voilà. Donc c'est mon nouveau tableau. Donc c'était pour la Saint-Valentin, c'était pour marquer nos premières vacances en amoureux. Donc ensuite, ah bah tant que j'y suis là, j'ai reçu des ATC d'Aurore. Donc je sais pas si elle veut que je donne les coordonnées, enfin ses coordonnées, son nom de chaîne en vidéo. Donc je lui demanderai, puis vous. Si elle m'autorise, je le mettrai en dessous dans la barre d'infos. Donc elle me l'a mis ça dans une petite pochette. J'ai pas pensé du tout à faire ça. Le thème, c'était de l'hiver au printemps. Et je les trouve trop, trop beaux. Regardez ça comme c'est magnifique. Je suis désolée pour mes doigts, hein. Je viens juste de terminer ce tableau-là, parce qu'on est le 14 février. Donc là, c'est la transition. Et voilà le printemps. Ah, je les trouve trop beaux. Trop, trop beaux. Merci beaucoup, Aurore, si tu passes par là. J'ai aussi fait une petite boîte à bijoux pour ma fille. Donc, c'est une boîte donc, qui s'ouvre comme ceci. Il y a un miroir là. Et puis, oula. Et puis, alors, on ne voit pas très, très bien. Hop là. C'est tout repeint en noir, évidemment. Mais du coup, elle a de quoi ranger ses bijoux en face. Et donc, le miroir est juste là. Hein. J'ai fait l'espèce de plante grimpante en fimo. Ça, c'est un chipboard de Scrap New Age. Des petites feuilles ici que j'avais achetées à Scrapbooking Boutique. Hop, des petites fleurs Florilège Design. Ça, c'est de l'anis étoilé avec des perles dessus. J'avais utilisé aussi quelques fleurs d'action. Je suis pas très très douée en fimo, mais je trouve que ça peut faire un petit peu le. Fait un peu d'effet quand même. Voilà. Et j'ai aussi fait un petit cadre. Enfin, j'avais fabriqué le cadre avec les. Le ce pêle-mêle avec des cadres en fait F déco en carton. Dans Fan de F déco, je crois que c'est ça. Il y a le tutoriel papier qui est téléchargeable à l'adresse que je mettrai en bas. Je me la mettrai dans la barre d'infos, alors pas forcément tout de suite, mais parce que là il faut que je la retrouve. Mais j'avais fait un tutoriel photo et je l'ai mis sur ma réserve de PDF. Voilà, donc il faut juste que je retrouve l'adresse que je vous la mette. J'avais tout passé donc les cadres que j'avais collés au gesso. J'avais aussi fait avec les pochoirs, avec de la pâte de structure, des petites formes. Ça, c'est de la pâte sablée sur laquelle j'ai passé donc des Magic Paint, mais aussi de la patine. Pareil pour les chipboards, des fleurs F déco, quelques sequins aussi que j'avais acheté sur la boutique. Ça, c'est un strass que j'ai acheté, je ne sais plus où. Et puis les papiers F déco aussi d'une collection Sea Breeze. Je sais plus. Enfin, c'est une collection F déco. Voilà.
Bah, c'est tout pour l'instant pour mes créations. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!